Ah, oh, ben là, je tombe endormie. Ben voyons, il y a quelque chose qui me chatouille. Ben, je suis pris là, voyons. Attends, là, il faut que je sorte de là. Qu'est-ce qui se passe? Ouf! Les amis, vous êtes déjà là? Mais je suis en retard, ça... Ah, ça doit être le lutin, hein? L'avez-vous vu, vous autres, le lutin? C'est tout un joueur de tour. Là, je pense que j'étais tombée endormie en t'attendant, puis... Attends, là, il m'a enfermé dans... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, regarde! C'est un géant bas de Noël! Le lutin m'a enfermé dans un bas de Noël pour que je sois en retard. Je pense que c'est ça. Ah, oh, c'est comme ça, il y a des lutins tannants qui aiment ça jouer des tours. Il est pas méchant, dans le fond, là. C'est juste que il aime ça s'amuser à notre dépens. Mais là, je suis réveillée, là, maintenant. Puis je vais juste m'assurer qu'il est bien parti pour pas qu'il nous dérange pendant l'histoire, là. Je le vois pas. Je pense qu'on va être correct. Je croise mes doigts. Je vais te raconter une histoire. Une histoire spéciale. Puis avant de la raconter, j'aimerais te présenter mon amie Lorraine. Regarde. C'est Lorraine au nez rouge. Puis est-ce que tu vois dans son cou le beau foulard qu'il a? C'est parce que la nuit, là, quand il va faire sa tournée avec Père Noël, il faut pas qu'il ait froid. Puis il est spécial, son foulard, regarde. C'est un foulard qui a été tricoté avec des broches à tricoter comme ça. Puis tu vas comprendre dans l'histoire qui est-ce qui a tricoté ce beau foulard-là pour mon règne. Puis tu vas voir, si tu es bien attentif, il va avoir quelque chose de spécial par rapport à des broches à tricoter. Alors, sois attentif pendant l'histoire, tu vas comprendre pourquoi je t'ai montré les broches à tricoter, puis mon ami le reine avec son beau foulard. Alors, si tu es prêt, le titre de mon histoire, c'est « Une aventure frissonnante ». Frissonnante comme dans « il fait froid, j'ai les frissons ». Pendant la nuit de Noël, quand Père Noël fait sa tournée dans son traîneau, en pleine nuit, tu peux imaginer que ça pourrait devenir une aventure frissonnante s'il y a une petite tempête et qu'il fait froid. La plupart du temps, en fait, l'hiver, il fait pas chaud, il fait froid. Alors, si tu es prêt, on va lire l'aventure frissonnante de la nuit de Noël. Noël arrive à grands pas. C'est la panique au pôle Nord. Comment faire pour que les cadeaux des enfants du monde entier soient finis à temps? Les camions, les poupées, les livres et tous les autres jouets sont assemblés, testés et emballés par les lutins, qui sont habiles de leurs 10 doigts. D'un bout à l'autre de l'atelier, on les entend s'activer. Quelqu'un a vu la peinture rouge? Est-ce que les trains électriques sont prêts? Où est donc passé le ruban jaune? Alors, comme tu peux voir, les lutins sont pas tous des lutins joueurs de tour, parce que les lutins dans l'atelier... je crois pas qu'ils ont le temps d'aller jouer des tours. Ils sont vraiment occupés à préparer les cadeaux pour Noël. Est-ce qu'on va voir la suite? On va voir s'ils seront prêts pour Noël. Pendant ce temps-là, le Père Noël vérifie son itinéraire. Son itinéraire, les amis, c'est le chemin qu'il va prendre pour aller distribuer tous les cadeaux. Il jette un coup d'œil par la fenêtre et fronce les sourcils.
Peut-être qu'il est inquiet s'il fronce les sourcils. Ho, ho, ho! J'espère que cette tempête de neige ne nous causera pas de soucis, dit le Père Noël. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, le rassure Mère Noël. Prends cette couverture pour te garder bien au chaud. Tu vois ici, Mère Noël lui donne une couverture bleue pour qu'il soit bien au chaud pendant la nuit de Noël. C'est le moment des derniers préparatifs. Les lutins remplissent le traîneau avec les cadeaux joliment décorés. Firmin, le lutin en chef, s'assure que tous les présents sont là à bord et que les rênes sont bien attelées au traîneau. « Voilà, tout est en place !» s'exclame Firmin. « Allons-y ! Ho, ho, ho !» annonce le Père Noël. L'heure du départ a sonné. Les rênes s'élancent dans le ciel en tirant le traîneau. Après avoir salué le Père Noël, les lutins entrent vite se réchauffer en mangeant une bonne soupe. Le vent souffle très fort et de gros flocons virevoltent dans tous les sens. Malgré le blizzard, les rênes gardent le cap et leur périple autour du monde peut commencer. On entend les grelots des rênes qui tirent le traîneau malgré la tempête de neige qui s'annonce. Un blizzard, les amis, c'est une grosse tempête avec des gros flocons et beaucoup de vent. Alors, on se souvient que Père Noël est dans une grosse tempête. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de cadeaux ont été distribués. Mais le Père Noël et les rênes commencent à grelotter. Il fait si froid dans le ciel que des glaçons se forment au bout de leur nez. Regarde ici, ils ont des glaçons au bout du nez, les rênes. La couverture de Mère Noël me garde au chaud, dit Père Noël. Mais il me faudrait bien quelque chose pour me protéger le visage. Au prochain arrêt, je pourrais me réchauffer un peu. Ho, ho, ho! Tu vois, Père Noël a mis sa couverture bleue, mais lui aussi a le nez tout gelé tellement il fait froid. Le traîneau du Père Noël se pose sans bruit sur une belle petite maison de briques. Il ne doit pas faire de bruit pour ne pas réveiller les enfants qui dorment. Dès que le Père Noël met un pied sur le toit, vroum, il glisse sur une plaque de glace. Il se rattrape juste à temps grâce au rêne. Heureusement qu'il n'est pas tombé en bas de la maison. Une fois remis sur ses pieds, le Père Noël se faufile dans la cheminée. Il a bien hâte de se réchauffer à l'intérieur. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre ce qui l'attend au pied du sapin. Allons voir qu'est-ce qui l'attend au pied du sapin. En plus de délicieux biscuits, on voit ici qu'il y avait des biscuits, et d'un chocolat chaud dans une belle tasse mauve, il trouve aussi une paire de mitaines, des belles mitaines bleues, et juste à côté, plein de foulards de toutes les couleurs. Regarde, on voit un renne avec un foulard. Alors, je pense que là-dedans, il y a des foulards pour les rennes. Et les foulards sont tricotés à la main. Juste à côté, il remarque un message écrit sur un joli papier à lettres. Ici, le message qui dit
Pour le Père Noël et ses reines, voici de quoi vous garder bien au chaud durant cette longue nuit de Noël. Et c'est signé Fred, Emma et grand-maman Pauline avec des becs et des caresses. Après avoir enfilé... Attends, je veux bien que tu vois. Ah, il est ici, mon Père Noël. Bon. Après avoir enfilé ses nouvelles mitaines et son nouveau foulard, le Père Noël rejoint vite ses reines pour partager la belle surprise avec eux. Les reines ont fière allure avec leur belle écharpe colorée autour du cou. Ho, ho, ho! Comme ça, personne ne prendra froid! Ho, ho, ho! Alors regarde, Père Noël a reçu un beau foulard vert et des mitaines bleues. Ici, on a un renne avec un foulard rose à pois, un autre renne avec un foulard jaune, ici un foulard rouge, un bleu, un mauve, un vert. Alors, je crois que c'est la grand-maman Pauline qui avait tricoté ces beaux foulards. Et c'est reparti pour la distribution des cadeaux. Le Père Noël et ses reines continuent leur tournée, bien protégés du vent glacial et de la neige. Ils n'ont plus froid grâce au foulard de grand-maman Pauline. Alors on les entend, ils repartent faire leur tournée. Une fois tous les cadeaux livrés, et les reines à l'abri dans la grange, le Père Noël peut enfin profiter d'un repos bien mérité. Il doit être fatigué, Père Noël, après avoir fait le tour du monde comme ça dans son traîneau. Alors, au petit matin, Fred et Emma se précipitent. Hein? On voit Fred, puis on voit Emma. Se précipitent au pied du sapin pour découvrir les cadeaux. Et que le Père Noël avait déposés. Mais en plus des jouets tant attendus, il y a, regarde dans les mains de grand-maman Pauline, une paire d'aiguilles à tricoter. Ils sont là, les aiguilles à tricoter de l'histoire. Hein? Elles sont brillantes et elles portent une petite note du Père Noël qui dit « Un grand merci! Ho, ho, ho! Il n'y a pas d'âge pour recevoir une surprise du Père Noël! » s'exclame grand-maman Pauline en riant. « Joyeux Noël, les enfants! » Alors... on a vu que c'était pour grand-maman Pauline les broches à tricoter. Si tu connais quelqu'un, une grand-maman, une maman, une amie, un grand-papa, un monsieur qui tricote, n'oublie pas de lui dire de garder un petit peu de laine pour tricoter des mitaines et des foulards pour le Père Noël et pour ses reines. Comme ça, la nuit de Noël, ils n'auront pas froid pendant leur tournée. J'espère que tu as aimé mon histoire, puis reviens me voir, je vais t'en préparer d'autres. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit si tu regardes ma vidéo le soir. Bye bye! Je vais surveiller le lutin là pour pas qu'il aille te jouer des tours coquins de tannant. Bye bye!